Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un book haul spécial Halloween. Donc dans cette vidéo, sachez qu'en fait ce ne sont pas des livres que je viens d'acheter. Ce sont des livres que j'ai achetés lors de la grosse hop de Bragelonne cet été. Et ben, cet été je n'avais pas encore ouvert la chaîne, donc je ne vous les ai pas présentés. Et en fait, je suis allée voir un peu ce qu'il y avait dans la liste, parce qu'il me semblait que j'avais acheté des choses quand même qui foutaient un peu les chocottes, voilà. Et il se trouve que oui, en effet, parmi les livres que j'ai achetés lors de la grosse hop, il y en a beaucoup qui peuvent, enfin, qui conviennent totalement, en fait, à Halloween. Donc, je me suis dit que j'allais vous les présenter. Donc, en gros, c'est un peu un book haul en retard et une vidéo idée lecture Halloween, voilà, on mélange un peu tout ça. Donc pour cette vidéo j'ai décidé de le faire en deux parties, c'est à dire qu'il y aura une partie avec des romans soft, et en deuxième partie là ce sera vraiment des romans vraiment d'horreur avec des fantômes, des phénomènes paranormaux, etc. et des livres, voilà, qui font vraiment 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 peur pour le coup. Pour commencer, je vais vous présenter les livres qui, selon moi, sont les plus soft, c'est-à-dire qui ne font pas peur. C'est des livres fantastiques, fantasy, qui parlent de magie, de sorcières, de vampires, etc. mais qui ne font pas peur. Voilà, pour les personnes, ben, justement, qui n'aiment pas ça. Donc, pour commencer, lors de la grosse hop de cet été, j'ai acheté De mon sang de Amanda Hocking, qui est un roman fantastique peuplé de vampires. C'est l'histoire donc d'Alice, qui est une jeune fille dont la vie va basculer suite à une rencontre avec Jack et Peter, qui sont deux frères mystérieux et entre qui son cœur va balancer, voilà. Donc Alice va découvrir un secret, je ne vous dirai pas lequel, mais je pense que vous doutez de ce que c'est, voilà, vu le titre, vu la catégorie dans laquelle s'inscrit ce roman. En tout cas, moi je ne l'ai pas encore lu et j'ai très envie de le faire, voilà, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, tout comme beaucoup d'autres livres qui vont venir par la suite. Très certainement parce que je pouvais pas tout mettre, tout simplement, voilà. Mais en tout cas, ce livre me fait très envie et même si je ne l'ai pas forcément pour Halloween, j'espère pouvoir le lire bientôt. On continue avec une saga que l'on ne présente plus, en tout cas qui je pense est très très connue, même si moi-même je n'ai pas encore commencé. Il s'agit de Shirley Davinson, le tome 1, qui s'intitule Première tombe sur la droite. Voilà. Et qui est donc une saga de Darin Dad Jones. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, c'est l'histoire de Shirley qui est à la fois détective et faucheuse. Donc elle voit les morts et elle aide parfois donc justement ces personnes décédées selon si besoin, que ce soit pour passer un message à leurs proches, à traquer leur assassin, etc. Sauf que la personne avec qui elle fait équipe, qui est un agent, voilà, ne la croit pas. Voilà, il ne croit pas qu'elle voit les morts. Donc ça peut compliquer un peu les choses. Et comme si c'était pas suffisant, elle reçoit des visites nocturnes d'un inconnu qu'elle voit dans ses rêves et dont elle aimerait quand même découvrir l'identité, mais apparemment ce n'est pas si simple que ça, puisque même en étant détective, elle ne l'a pas encore retrouvé. Voilà. Donc cette saga, il faut savoir que c'est un bitlit, mais qui n'est pas du tout, qui pour moi, je ne pense pas que ce soit pour les plus jeunes, puisque les rêves qu'elle fait apparemment ne sont pas soft. Voilà. Au début, quand je vous dis je vais séparer les romans soft et les romans d'horreur, c'est vraiment soft dans le sens où ça ne fait pas peur. Ça ne veut pas dire que c'est soft au niveau érotique du terme. Voilà. Donc c'est pour un public averti, je pense. Si vous l'avez déjà lu, je pense que beaucoup l'ont déjà lu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez, enfin, à quel âge
pour vous, à partir de quel âge est-ce qu'on peut le lire, voilà. En tout cas, moi, du résumé que j'ai lu, parce que c'est pas celui que je viens de vous faire, voilà, ça semblait quand même être plus pour les adultes, voilà. Donc ensuite, j'ai acheté, et je pense bien que c'est le seul, en tout cas c'est le seul de cette liste, un roman où ça parle de sorcières. Donc il s'agit de la saga Les Bannis et les Proscrits, donc le tome 1, Le Feu de la Sorcière, qui est une saga de James Clément. Donc je vais vous lire le résumé. Par une nuit fatale à Alacéa, pays ravagé par une malédiction, trois mages accomplissent un sacrifice ultime dans l'espoir de préserver le bien. 500 ans, jour pour jour, après cette nuit funeste, une jeune fille hérite d'un pouvoir perdu depuis longtemps. Mais avant qu'elle puisse en saisir les implications, le Seigneur Noir lance ses ordres des ténèbres pour s'emparer de la magie embryonnaire qu'elle détient. Dans sa fuite, Elena s'est précipitée vers une issue terrible, mais aussi vers la compagnie d'alliés inattendus avec lesquels elle va tenter de combattre les forces maléfiques et de secourir un empire autrefois glorieux. Donc voilà, je n'ai pas lu celui-là non plus, mais quand j'ai lu le résumé, en tout cas, ça m'avait vachement plu. Petite parenthèse, moi en ce moment, enfin c'est pas un livre que je viens d'acheter, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps, mais en ce moment, moi je suis en train de lire Seven, qui est, je sais pas si vous, qui est en haut là, ici, voilà. Donc 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, voilà, que je lis dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et du Challenge Cocooning Autumnal. Donc et il rentre parfaitement dans le thème puisque ça parle de sorcières et de magie. Donc voilà, si jamais ce livre-là aussi, ça rentre pile poil dedans. Pour continuer, on va parler fantômes cette fois-ci, mais fantômes sans que ça parle d'horreur. Puisque il s'agit de la saga Pouvoir Obscur de Kayleigh Armstrong. Donc là encore, c'est un tome 1. En fait, à la grosse hop, il proposait que les tomes 1 des sagas, en fait. Donc j'ai acheté le tome 1 qui s'intitule L'Invocation. Donc c'est l'histoire de Chloé, une jeune adolescente qui voit des fantômes et dont le père l'envoie dans un institut psychiatrique parce que les médecins lui disent qu'elle est schizophrène. Voilà. Donc c'est un institut spécialisé pour les adolescents et il se trouve qu'elle va rapidement se rendre compte que les autres pensionnaires de cet institut ont l'air de eux aussi cacher un secret. Donc elle va faire en sorte de découvrir vraiment ben, qu'est-ce qu'il en est et est-ce qu'elle est schizophrène ou est-ce qu'elle a des pouvoirs et surtout découvrir la vérité sur cet endroit où elle est enfermée. Voilà, donc moi c'est un livre qui me donne vraiment vachement vachement envie. Voilà, mais je peux pas l'entamer, je peux pas le commencer de suite et franchement ça m'énerve. Voilà. Pour continuer, je vous propose en idée de lecture la saga Minuit, le tome 1, Le baiser de minuit, de Lara Adrian. Donc je vais vous lire le résumé. La lignée est parmi nous depuis toujours. De puissants guerriers vampires mènent une guerre secrète contre les renégats pervertis par la soif sanguinaire. Lucanton est leur redoutable chef. Il a juré de protéger les siens, mais aussi l'humanité de la menace qui plane sur eux. Une mortelle n'a pas sa place dans cette vie de combat, jusqu'à ce que Lucan rencontre Gabrielle Maxwell, photographe de renom. Témoin d'un crime atroce, la jeune femme est la cible des renégats. Pour la sauver, Lucan n'a d'autre choix que de l'entraîner dans les profondeurs où il règne. Gabrielle est soudain confrontée à un destin extraordinaire où se mêlent danger, séduction et les plaisirs les plus sombres. Voilà. Donc là encore, ça parle de vampires et je vais juste vérifier. Bitlit, sensualité, sexe. Donc ce n'est là encore pas un livre pour les plus jeunes. Voilà. C'est un roman pour public averti, donc ben, vous êtes averti. Voilà. Voilà, en tout cas, ça parle de vampires, ça parle de sang, c'est pour Halloween. Voilà, moi je dis que c'est parfait. Pour continuer avec les vampires, j'ai acheté Le Vampire de Bacalan, ou de Bacalan, je ne sais pas trop, de Jeanne Favre d'Arcy, qui est l'histoire de Cornelia et Nico, deux jumeaux qui vont être témoins et victimes de phénomènes étranges qui vont commencer à rendre Cornelia paranoïaque et elle va commencer à se demander si elle n'est pas folle puisqu'elle entend une voix
dans sa tête. Voilà, une voix avec un accent anglais, c'est précisé. Et son frère, donc, il va tout faire pour essayer de découvrir la vérité, pour essayer de comprendre ce qui leur arrive, ce qui se passe. Et bah, il se doutera absolument pas que ça va le mener beaucoup plus loin que ce qu'il imaginait. Voilà. Donc, encore un livre qui me fait vachement envie et que je ne peux pas lire de suite. Mais pour ceux qui d'entre vous ont eu l'intelligence de se garder un petit créneau pour spécial lecture Halloween, je pense que ce livre-là, ça peut vraiment, vraiment, ça peut vraiment entrer dans le thème. Voilà. Enfin, septième livre de cette catégorie, soft. Quand je dis soft, je rappelle encore une fois que je ne parle pas du sens érotique du terme, mais du côté horreur, gore, etc. Donc, il s'agit, et celui-là aussi, j'ai très très envie de le lire, il s'agit de Anno Dracula de Kim Newman. Donc déjà, juste le titre, moi, ça m'avait donné envie. Voilà. Mais bon, je vais m'arrêter là, je vais vous lire le résumé. Londres, 1888. L'obscur voile de la terreur est tombé sur la capitale depuis que la reine Victoria s'est unie au sulfureux comte Dracula. Sous son influence, les citoyens sont de plus en plus nombreux à rejoindre les rangs des vampires, toujours plus puissants. Mais la riposte ne se fait pas attendre. Dans les sinistres ruelles de Whitechapel, un assassin surnommé Scalpel d'argent massacre les prostituées aux canines un peu trop aiguisées. Lancée dans la traque du tueur, Geneviève Dieudonné, une vampire à la jeunesse éternelle, et Charles Beauregard, espion pour le Diogenes Club, je ne sais pas comment ça se dit, comment dire que j'ai un accent anglais tout pourri. Voilà, bref, un espion, vont devoir gravir les échelons du pouvoir et s'approcher dangereusement du souverain le plus sanguinaire qu'a jamais connu le royaume. Donc voilà, ce livre me fait très 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 envie, tout comme il me donne envie de lire Dracula, parce que en fait je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu la version originale de Dracula et ben j'aimerais bien en fait, parce qu'en fait j'ai déjà lu une version réécrite. Quand j'étais au lycée, je crois, c'était une version réécrite, je pense, pour les plus jeunes. Et dedans, Dracula, il n'était pas vraiment méchant. Sauf que je pense que dans le vrai Dracula de Stoker, c'est pas ça. Je me doute que ce n'est pas du tout ça. Et j'aimerais vraiment, en fait, le lire. Et donc voilà, je ne le mets pas dans la liste puisque ce n'est pas, je ne l'ai pas en la version, je ne l'ai pas acheté. Mais c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis un moment et j'espère que je pourrai le lire en peu de temps parce que ça reste quand même un énorme classique, classique fantastique que je me dois de lire, tout simplement. Donc, on va passer maintenant aux livres qui foutent les pétoches. Voilà. Pour ceux qui vraiment cherchent le gros frisson, l'horreur et compagnie. Donc, c'est pas ce qui va manquer, vous allez voir, parce qu'en fait, pendant la grosse off, je me suis rendu compte que même si j'aime pas forcément les livres qui font peur, les titres me donnaient, enfin les résumés me donnaient vachement envie. Du coup, je les ai achetés. Je sais pas quand c'est que je vais avoir le courage de les lire. Très clairement. Mais en tout cas, voilà, je les ai achetés, j'ai trouvé que que tous les résumés me donnaient terriblement envie et clairement, vous allez voir que pour Halloween, ce sont des livres qui sont vraiment, vraiment parfaits. Voilà. Donc, je commence avec un livre qui, sur Booknode, n'est pas classé horreur. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, très certainement que c'est peut-être pas du gore, mais en tout cas, c'est un livre qui fait peur. Très clairement, je vais vous donner le résumé et vous allez tout de suite être d'accord avec moi. Donc il s'agit de Julia, le titre, Julia de Peter Straub. Donc dans ce roman, on va suivre Julia qui, suite à la mort de sa petite fille Kate, va emménager dans une maison au cœur de Londres. Et comme on s'en doute, puisque nous sommes dans la catégorie de livres qui font peur, cette maison, voilà, elle n'est pas comme les autres et il va commencer à se passer des choses étranges. Elle va commencer à entendre des bruits nocturnes, à voir des silhouettes en plein jour alors qu'elle habite toute seule. Donc, déjà ça, elle va commencer à se demander si on essaie de la rendre folle. Et finalement, elle va apprendre que dans cette maison, il y a eu un drame abominable. Voilà.
Et il devient évident pour elle que pour comprendre ce qui lui est en train de lui arriver, il faut qu'elle comprenne et qu'elle découvre ce qui s'est passé réellement dans cette maison 20 ans plus tôt. Je crois bien que c'est 20 ans plus tôt. Donc déjà, c'est voilà, un livre qui me donne très 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 envie. Mais je pense qu'en fait, mon copain, il va lire tous les livres, parce qu'il adore les livres qui font peur. Donc il va lire tous les livres et ensuite il va me dire lesquels ça fait les moins peur. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, ce livre-là franchement, ce livre-là m'intéresse très très fortement. Donc, je regrette de ne pas pouvoir le lire maintenant. Voilà. Ensuite, pour changer un peu des vampires, des fantômes et des sorcières, je vous propose de continuer avec des zombies. Voilà. Donc, pendant la grosse hop. J'ai acheté Positif de David Whittington, donc qui est un roman post-apocalyptique où les personnes qui sont tatouées du signe plus sont susceptibles de se transformer à tout moment en zombies. Voilà. Donc dans ce roman, on va suivre Finnegan qui lui aussi est tatoué du signe positif et dont la seule chance d'aspirer à une vie normale est de survivre à la période d'incubation qui est de 2 ans. Voilà. Donc on va le suivre tout au long de cette période-là, je pense. Et là, c'est de l'horreur, donc je me dis que ça doit être un petit peu gore. Mais autant ça me gêne beaucoup les séries du style The Walking Dead, etc. Parce que c'est vraiment dégoûtant. Voilà, enfin moi j'aime pas, je supporte pas, je trouve ça gore. Autant bah, dans un livre, j'ai pas les images, donc ça peut passer. Donc je verrai, voilà. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous parler de X de Thomas Old Adult, que vous avez très certainement vu et revu passer sur les réseaux littéraires, sur BookTube, etc., puisqu'on en parle beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Et donc, pour les personnes en tout cas qui ne savent pas encore de quoi ça parle, il s'agit d'une histoire qui se déroule à Black Spring, qui est une petite ville où lorsqu'on y entre, on ne peut plus en sortir. Tout simplement parce que cette ville est hantée par une sorcière aveugle, à la bouche cousue. Oui. Rien que ça. Moi, rien que ce détail-là, déjà. Hein, voilà. À la bouche cousue. Et les anciens de cette ville, pour empêcher la malédiction de se propager, ont décidé d'isoler les lieux. Voilà. Donc, cette histoire, franchement. Enfin, moi, j'en ai entendu des échos assez différents. Il y a ceux qui ont adoré et qui ont eu hyper peur et tout, machin. Et il y a ceux qui ont parfois trouvé certains moments un peu grotesques et peut-être limite, ils ont ri, quoi. Donc. Je ne sais pas, je m'en ferai mon propre avis quand je le lirai. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, il fait partie de mes lectures que j'ai envie de lire, tout simplement. Que j'espère que. D'un côté, j'espère que ceux qui ont trouvé que ça ne faisait pas trop faire, ils ont raison, comme ça, moi, je pourrais le lire, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, pour Halloween, ça me semble parfait. Et voilà, quoi. Donc je continue avec le 11e livre de cette longue série. 11e livre du tout et 4e livre du côté gore, du côté horreur. Donc il s'agit d'un autre livre de Peter Straub, qui est donc l'auteur de Julia. Donc ici il s'agit du roman Ghost Story, qui parle de l'histoire de 4 personnes âgées, 4 monsieur, qui aimaient se raconter des histoires de fantômes. Sauf qu'un jour, l'une des personnes de leur club va disparaître dans des circonstances étranges et ils vont commencer à se sentir menacés et à perdre le sommeil. Donc, d'après le résumé, il y aurait une histoire de réincarnation. Je sais pas. Quand je lis comme ça, ça n'a pas l'air d'être aussi effrayant, mais il y a quand même écrit horreur, fantôme, etc. Donc, je pense que ce résumé cache bien son jeu. Voilà. Donc, si jamais vous l'avez lu encore une fois, ben dites-moi ce qu'il en est, que je sache à quoi m'attendre, parce que là, je sais pas trop, en fait, je suis un petit peu dans le flou, voilà. Pour continuer ensuite dans le côté maison hantée qu'on a vu déjà précédemment, je vous propose dans cette liste d'idées lecture pour Halloween le roman Les Reliques de la Nuit de James P. Blaylock.
dont je vais vous lire le résumé. Donc là aussi, peut-être que je devrais arrêter de déposer ma tablette parce qu'à un moment, voilà quoi. La Californie, ce n'est pas seulement Hollywood. Non, c'est aussi des canyons désertés où la nature peut suivre son cours. Et c'est cet endroit perdu et esselé que choisit Peter Trevor pour y acheter une cabane à la réputation sinistre. En effet, on la prétend hantée. C'est peut-être bien à raison puisque chaque nuit, une voix plaintive vient habiter ces nuits. Donc encore une histoire de maison cabane hantée, voilà, qui est le, on va dire le leitmotiv des films, des scénarios, des synopsis d'horreur. Donc voilà. Et puis j'avais trouvé que le résumé était quand même accrocheur. Donc voilà, j'ai envie de le lire. En fait, j'ai envie de tous les lire, mais je ne peux pas pour le moment puisque je me suis lancée dans deux challenges littéraires et que voilà. Mais en tout cas, voilà, je vous fais cette liste pour vous au cas où vous n'auriez pas d'idée pour lire Halloween et que vous voudriez des livres qui vous font peur. Donc voilà, je n'ai pas fini. Il reste encore 3 livres. Et oui, elle est longue cette liste. On continue la lignée des vieilles demeures avec Wildfell de Michael Rowe. J'espère que je le prononce bien. Donc Wildfell, c'est une vieille demeure, voilà, comme je viens de le dire, qui se situe à Blackmore Island et dont les habitants prient pour que les ténèbres piégées à l'intérieur y restent. Voilà, on est prévenu. Voilà. Et malheureusement, parce que oui, il y en a toujours un qui arrive, on ne sait pas comment, on ne sait pas c'est qui son agent immobilier. Un homme nommé Jameson qui va acheter cette propriété dans le désir d'un nouveau départ. Alors je ne sais pas comment son agent il lui a vendu cette maison, mais très clairement, on comprend que la nouvelle vie qu'il va avoir dans cette maison-là ne sera bien loin du rêve qu'il espérait. Voilà. Ça me donne très envie, celui-là aussi. Bon, raison pour me dire en même temps, si ça me donnait pas envie, je l'aurais pas acheté. Mais voilà, ça a l'air vachement, vachement bien. Voilà, encore une fois, je suis dégoûtée parce que je n'ai pas de temps pour les lectures spéciales Halloween. Ensuite, pour changer un peu des vieilles bâtisses hantées, on va se lancer dans un huis clos à bord du roman Le Ferry de Matt Stranberry. Je vais vous lire le résumé. Je vais vous lire le résumé. Ce soir, 1200 passagers se réjouissent de faire la traversée maritime entre la Suède et la Finlande à bord du ferry luxueux qui les emporte sur la mer Baltique. L'espace de 24 heures, ils abandonnent derrière eux leur vie quotidienne et se laissent aller à être quelqu'un d'autre. Mais le mal rôde à bord. Et au cœur de la nuit, au milieu de la Baltique, il n'y a pas d'échappatoire possible. Surtout quand tout contact avec la terre ferme est mystérieusement coupé. Si face à l'adversité, certains se comportent en héros, cette nuit fatidique fait parfois surgir le pire chez les autres. Et à mesure que les disparitions inexplicables s'enchaînent, il devient vital que le ferry n'arrive jamais à destination. Donc, si ça, c'est pas un résumé qui vous donne envie, je ne sais pas. Voilà, ça a l'air de foutre la pétoche, très clairement, et ça a l'air en même temps d'être super. Enfin, pour terminer, parce que oui, il fallait bien que ça se termine à un moment, je pense que la vidéo est déjà très 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 longue, j'ai sélectionné parmi les livres que j'ai achetés de la grosse hop, le roman Snowblind de Christopher Golden, qui raconte l'histoire d'une petite ville qui s'appelle Coventry, je crois, qui dans le passé a été frappée par une tempête de neige beaucoup plus violente qu'à l'ordinaire et qui a fait une dizaine de victimes. Donc apparemment on va se retrouver 12 ans plus tard. Justement 12 ans après, il y a une nouvelle tempête de neige qui va être annoncée. Et avec cette tempête de neige, malheureusement, va revenir les disparus de la fameuse nuit maudite. C'est comme ça que c'est appelé dans le roman, voilà, enfin dans le résumé. Quand je lis ça, j'ai envie de dire « Winter is coming !» Hein, voilà. Donc, pour ceux qui comprennent la référence,
Ça donne envie, voilà. C'est bon, là, on se doute que ça doit être des revenants. Ça donne envie, ça donne très. Voilà, moi je trouve que ce résumé donne très envie. Et j'espère que j'arriverai à le lire jusqu'au bout et que je ne vais pas faire comme avec le démonologue. Parce que voilà. Petite parenthèse, celui-là ce n'est pas un book haul, mais je vous le conseille pour Halloween. Il y a quelque temps, j'ai emprunté le livre Le Démonologue à la bibliothèque. Je n'ai pas le nom de l'auteur en tête, mais je vous le mettrai en barre d'infos quand j'uploaderai la vidéo. Donc Le Démonologue, c'est le livre que j'ai arrêté après le prologue. Parce qu'en fait, dans les films d'horreur, des fois, on vous laisse le temps, voilà, de vous mettre dans l'ambiance avant de vous lancer le truc comme ça, qui fait que vous avez le cœur qui s'arrête. Et ben en fait, avec le démonologue, j'ai pas eu le temps de respirer. Parce que dès le prologue, c'était trop pour moi, quoi. Ça m'a trop fait peur. Donc du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit non, je vais faire des cauchemars. Et encore aujourd'hui, le soir, si je me mets à penser à ce prologue, j'ai du mal à dormir. Hein. Bon, je suis très peureuse. Hein. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais en tout cas, si vous voulez un livre qui fait vraiment peur à Halloween, je pense que le démonologue, ça peut le faire, ouais. Très, 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 très clairement. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé donc votre bonheur dans la liste que je vous ai concoctée. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, sans spoiler encore une fois. S'il y a des livres en particulier qui vous intéressent le plus. Juste une autre parenthèse, ça y est, j'ai mis le vlog de septembre en ligne. Oui, je sais, on est déjà fin octobre, mais c'était un livre, Mais c'était un vlog qui était sur un mois, donc c'était hyper hyper long à monter. Donc c'est pour ça que je le poste que maintenant. Donc le vlog de septembre donc est mis fin octobre et le vlog d'octobre sera mis en novembre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. À me dire en commentaire, voilà, s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y en a qui vous intéressent, s'il y en a d'autres qui ne sont pas dans la liste que vous avez choisi pour les lire à Halloween. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, je ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, de bons visionnages si vous regardez des films d'horreur, et je vous souhaite un très bon Halloween. Bisous!